Nelly Arcand, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas, on va vous faire une interview up and down. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Ce que vous préférez en vous? Bêtement, mes yeux. Ouais. Cliché. Ce que vous haïssez en vous? Beaucoup de choses, tendance au fatalisme. Ouais. Oui. Et vous, ce que vous préférez en vous, c'est quoi? Hein? Ce que vous préférez en vous? Mes yeux. Ah. Ouais. Et ce que vous détestez en vous? Ma connerie. C'est ce que je préfère, moi, chez vous. Ce que vous préférez dans la prostitution? L'argent. Effectivement. Ouais. Ce que vous détestez dans la prostitution? Non, je sais ce que c'est, mais je dirais pas. C'est quoi? Elle aime pas avoir les mecs qui se mettent sur elle comme ça, tu vois. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'elle préfère la levrette, voilà. Exactement. J'aime pas lorsqu'il s'étale. Ouais. Parce que là, on a affaire avec leur visage. Voilà, ils vous embrassent, cherchent à vous embrasser, alors que quand on est en levrette, au moins on les voit pas. Exactement. Je l'ai lu, votre bouquin. Oui, je vois ça. Ce qui vous fait le plus rire dans la vie? Je dirais que je ris beaucoup de ce que les autres font, mais moi-même, je suis pas très drôle. Je ne suis pas une fille qui fait rire. Pourquoi tu dis ça? Ce qui vous fait pleurer? Les hommes. Ah ouais? Oui. Votre plus belle histoire d'amour? Présentement, je la vis, plus belle histoire d'amour. Arrêtez. Alors, comment c'est? Avec qui? Avec un homme avec qui je suis depuis un an et quelques mois et qui... Il est là, là, il est là, il est à Paris avec vous? Non, non. Comme c'est dommage. C'est un travail, mais je pense que c'est la plus grande histoire d'amour que... Je ne vous demande pas votre histoire d'amour la plus minable, parce que vous avez un certain nombre. Des centaines de... Des centaines d'histoires minables. Ce que vous avez de plus, ce que vous avez de plus sexy en vous? Ah, je ne sais pas, vous connaissez mon pas. Mon regard. Ah, ouais. Et de moins sexy. Mes yeux, mon regard. Et de moins sexy. Et de moins sexy. Moi, je sais, mais je ne dirai pas. Moi, je ne sais pas. Mais dites-le. Mais là, je fais compris depuis le début de l'émission. Je fais toujours. Moi, je sais, mais je ne dirai pas. Alors tout le monde dit qu'est-ce que c'est? Et tu ne sais pas, en fait. Si, si, je sais très bien. Mais j'aimerais le savoir, sérieusement, ça m'intéresse. Attention. Je vais vous le dire, mais je ne peux pas le dire tout fort. Il faut perdre cet accent canadien. Oh, mais je peux pas. Mais c'est pas gentil, je peux pas. Mais si, ça s'apprend, il y a des cours en France. Mais pourquoi? Julie Snyder, elle l'avait perdu le jour où son émission s'est arrêtée, elle avait perdu l'accent. Pourquoi? Parce que c'est terrible cet accent, je vous jure. On n'en parle plus comme ça depuis le 18e siècle. Mais j'ai quand même pas un accent très fort. Non. Non, mais malheureusement, très malheureusement. Ce que vous préférez dans le sexe? Disons, moi et deux hommes. Ça, c'est très, très bien. Ah! C'est vrai. Oui. Ce que vous détestez dans le sexe? L'odeur. C'est Clotilde de Cour. Merci, ce que vous détestez dans le sexe? L'espèce de baiser qui a tendance à s'étendre partout avec la langue. Ça, j'aime pas. Les baisers gluants, vous voulez dire? Oui. Avec des hommes que t'aimes pas. C'est le caméléon. Oui. Voilà, Nelly Arcand, putain.